Yo les gars, je pense que ça a lancé. Donc c'est parti. Je suis sur mobile parce que ben, je suis pas chez moi, comme vous le savez sûrement. Donc on va découvrir la nouvelle saison ensemble, on va acheter le pass, etc. Donc ça va peut-être être long, mais bon, on va se dépêcher. Pour tous les défis, vous inquiétez pas, je les ferai, mais quand je rentrerai chez moi, donc vers samedi, dimanche. Donc toutes les nouveautés, etc., je le ferai samedi. Puisque comme je suis en vacances, ça va être très très compliqué. Donc voilà, j'ai fait la mise à jour, elle était assez rapide sur mobile. Et du coup, là, je suis en train de lancer le jeu. C'est un petit peu long. Et voilà, c'est parti. Po, directement l'écran de chargement. Magnifique. Po, elle est stylée. Cinématique, on va la passer. Hop. Si vous ne l'avez pas vue, elle est sur ma chaîne. Et c'est parti. Deuxième cinématique, on l'a vu aussi, donc allez la voir sur ma chaîne. Et c'est parti. Alors, donc directement on a ça. Ok, donc le pass de combat. Pass de combat à 2800 V-Bucks. En attendant, je vais pas prendre. J'espère que je pourrai le prendre plus tard. Dans la boutique V-Bucks, on n'a rien. Ici, ok, carrière. Il y a un truc stylé derrière. On va regarder tout en part, ne vous inquiétez pas. Ok, avec tout en doré, stylé de ouf. Alors, boutique. Ah, il y a le pass de combat dans la boutique. Ok, j'allais dire ok, nouveau truc, mais en fait non. Il y a un truc dans la boutique. Ok, donc c'est le pass de combat. N'oubliez pas, code créateur NSQ, les gars, ça me ferait énormément plaisir. Ensuite, est-ce qu'il y en a des choses qui changent genre, dans les skins, etc. par exemple? J'ai l'impression que ça a été redesigné un peu. Mais je crois qu'il n'y a pas de nouveauté. Là, c'est blanc quand on scroll. Ok, bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté. Ok. C'est un petit peu bizarre, mais voilà. Là, il y a les coupes. Oh, le petit fond d'écran. Ok, stylé. On est reparti niveau 1. Ok, logique. Alors, les modes de jeu avant. Ok, il n'y a rien qui change, à part didacticiel. Et donc là, il y a les skins. Ok, donc c'est parti, passe de combat. Waouh. Alors, tâche quotidienne. Je clique un peu partout, les gars. Ok, j'ai cliqué partout, il n'y a rien qui se passe. Ensuite ici, bientôt disponible. Ok. Ici, chambre d'amélioration. Créer votre Maya. On va le faire après. Ok, stylé. Ici c'est quoi? Bon, il y a beaucoup trop de trucs, ça me perturbe. Ordinateur. Nom d'utilisateur, mot de passe. C'est quoi ce bordel? Je clique partout les gars. Le passe de combat est requis pour accéder à Deadpool. Ah, ok. Ok, donc stylé. Je crois qu'on pourrait avoir soit les poules gratuits ou soit un truc. Mais il faut le pass de combat. Table des défis. Wow, ça me perturbe. Wow. Briefing de Brutus. Défis conseillés et tous les défis. Ok. Non, ça on l'a déjà fait, mince. Wow, c'est trop perturbant. C'est trop perturbant. Là, c'est tous les trucs. Je vais pas cliquer maintenant. Ouais. De toute façon. On découvrira assez vite. Donc là, c'est le pass de combat, ok. Vous savez qu'on a tout regardé et je vais l'acheter après. Donc ça, il me semble que c'est... Ouais, Maya la spécialiste. Ensuite, on a Mister Banane. Ok. Emote. Appelle-moi pas ouf, mais c'est toujours une emote pas ouf au début. Écran de chargement. Traîner avec une petite mallette. Les V-Bucks, c'est 100. Ok. Je crois pas que c'était 150 avant. Je crois que c'était 100 aussi, pareil. Mallette de banane. Petit revêtement, ok. Tout ce qu'on s'en fiche un peu, je passe. Hein, musique, etc. Ensuite, là, on a le premier outil de collecte qui est très beau. J'aime beaucoup. Hop, on continue. Ok. Ok, bon. Ça, on s'en fiche. Petit sac à dos. Beaucoup trop gros, je le jouerai pas. Par contre, le sac à dos banane de tout à l'heure, il était pas mal. Ok, planeur. Oh, stylé en vrai. Stylé, mais je le jouerai pas. V-Buck, tag, écran, le petit skin, ok. Bon, faudra choisir à chaque fois entre ombre et machin. Je sais pas comment faire. Pour toutes les personnes qui collectionnent tous les skins, tu vois, ils pourront pas avoir les deux skins, vu que c'est qu'une variante. Alors, le planeur, donc ça c'est la nouveauté, je crois qu'on peut sauter dessus. Il y a marqué des bonus à chaque fois, mais la flemme de regarder, on verra plus tard. V-Buck. La nouvelle pioche, très belle, j'aime bien.
J'aime bien. Traîner avec des curbs, avec marqué kaboom, ok. Planeur, pétarade. Ouais. Bah c'est le planeur de Bambi, mais un petit peu changé. Mister Banane en version fantôme. Super. V-Buck. Sac à dos, il est pas mal, j'aime bien. Tag, ok. La musique. Petite danse. Ronde des flancs. Ok, pas ouf. Hop. Le petit skin kaboom. Écran de chargement magnifique. Petit truc comme solo, pas ouf. La pioche, pas mal, ok. Les V-Bucks. Sac à dos, je pense, ouais. Je le jouerai peut-être, mais il est un petit peu gros. Une emote. Casserole, ouais. Pas foufou. Ok. Ok, écran, machin. Petite pioche double. V-Buck, tag. Le planeur, qui est magnifique. J'aime beaucoup. Ok. Il est stylé. Lui, je l'aime bien. L'émoticône. Ça, ok. Ok. Gratuit. Ok, on s'en fiche. Ok, petite danse de chat, du coup. Ça, ok. Le skin chat. Ok. D'ailleurs, j'ai même pas vérifié que le groupe était en privé. Faut que personne me rejoigne. Planeur Oli. Oh, il est trop moche. Il est gros. Ok, on dirait un sac de Zelda, ça. Une danse. Tutut. Ok, 200 V-Bucks. Ensuite, petite collecte. Épée des légendes. Magnifique. Petite traînée avec des cœurs. Ok, Saint-Valentin. Hop. Le planeur. Putain, c'est le deuxième planeur comme ça. Ils sont sérieux. C'est les trucs moches. Skin banane. Encore. Oh, ils sont sérieux. Petit skin. Ok. Au niveau du pass, en vrai, c'est un pass classique. Pas forcément ouf. Stylé. Mais je pense que tout le reste après, c'est. Avec toutes les nouvelles choses qu'il y a, ça va être. Mais regardez, troisième planeur comme ça, grave moche. Neige. Ok. V-Buck. Petite pioche que j'aime bien. Ok. Ça, on s'en fiche un peu. Pioche, celle-là, elle est magnifique. Musique. V-Buck. Ça, sympa. Pas ouf. Émoticône d'œil. Truc en or. Danse, élastique. Ok. Et le skin, palier 100. Midas. Ok, je croyais qu'il y avait 135 paliers, mais en fait, il n'y en a que 100. Donc voilà. Bon, en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc on va aller se l'acheter maintenant. Il n'y a pas le pass, il n'y a pas le pass annuel. Donc voilà, comme ça je me tromperai pas. Donc je prends lequel? C'est moi la tenue secrète du pass de combat. MDR. Bon, on va prendre celui à 950. Confirmé. Et attention. Tadam. J'ai pas monté le son malheureusement. Donc on débloque Maya et la banane. Ok. Bon bah voilà. Mister Banane, il a quoi comme style? Par défaut, comme ça en fantôme, en ombre et agent en or. Ok, stylé, je le jouerai pas. Et Maya, qu'on va s'équiper tout de suite. Hop, faut aller là, je pense. Chambre d'amélioration. Maya, créez votre Maya. C'est parce qu'on va c'est la saison 2, visiter ma chambre Maya. Chaque semaine pour pouvoir améliorer différentes parties. Ah ok, on peut pas l'améliorer maintenant. Enfin, on peut peut-être, je sais pas. On peut rien faire en attendant. Je sais pas. Ah non, chaque truc c'est une mission ou pas? Donc là, je peux rien améliorer, genre. Ah, ok, mais sinon on aura plusieurs trucs. Coupe de cheveux, tatouage, manche, bottes, couleur du haut, gilet, couvre-chef, couleur du bas, visage, écharpe. Ok, bah lourd, lourd. Bon bah voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'en ferai une plus détaillée quand je rentrerai chez moi, évidemment, avec mon PC. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner et à mettre mon code créateur NSQ dans la boutique. C'est super important pour me soutenir pour Passe de Combat. Et sur ce, allez, ciao!